là, la gamme jasmin, c'est un truc de dingue. Après, je vais mettre le soin aussi. C'est peut-être ça qu'a... Qu'est-ce que tu fais, chérie? Ben, je suis en train de te filmer, en train de te laver les cheveux avec la gamme Nikki Jasmine. Mais tu sais que c'est un truc de fou. Parce qu'à la base. Ça sent super bon en tout cas. Tu sens l'essai ? Ouais. À la base, c'est moi, c'est kératine qui me rend les cheveux doux, ouais, souples et qui répare. Ça, c'est pas fait à la base pour réparer autant kératine. Et bah, tu sais quoi ? Ils étaient encore plus doux la dernière fois que j'utilisais que kératine. D'accord. Donc maintenant, c'est ma préférée. Donc, les pâtés, vous l'aurez compris, les shampoings Nikki, c'est pour hommes et pour femmes. Maintenant, elle adore le jasmin. Moi aussi, je trouve qu'ils sont super bons. Mais moi, mon préféré du moment, c'est quand même Biotin. Voilà, c'est celui-là. C'est qui fait pousser les cheveux plus vite. Celui-ci, il fait pousser les cheveux plus vite. Ah, mais c'est pour ça que je galère comme ça. Mais oui. Parce que ça, c'est, on disait que c'est, y a de l'huile d'amla. C'est pour ça que mes cheveux poussent comme ça, vous avez compris, vous. Il y a de la biotine, l'huile d'amla et kératine dedans. Et oui, c'est écrit dessus, il favorise la pousse. Bon, bah, si vous voulez faire pousser vos cheveux, vous utilisez la biotine. On est sur le site Nikki, gamme jasmin, nouveauté, gamme biotine. Elle est là. Pour la découvrir, c'est ici. Adapté à tous les types de cheveux, les fratés. Vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le menu, vraiment plein de types de shampoings. Regardez, ça c'est pour les cheveux frisés bouclés, ça c'est pour les cheveux dévitalisés, cheveux gras, cheveux fins, cheveux secs et cassants. Il y en a pour tous les goûts, les fratés. Et là, bien évidemment, je vais vous envoyer mon code promo de moins 50%. Profitez-en. Ah, nous sommes les sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol fa mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Capi capi. Waouh. Nous font tous les deux, ils passent sous les chaises. Allez, c'est parti. Papa, on va faire quoi comme jeu? On va faire quoi comme jeu? On va monter sur le bateau et faire une course. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux, coquine? Bon, je vais vous raconter une histoire, les gars, qui s'est passée. J'ai ma nanny ici, donc qui parle anglais. Et puis, elle me raconte, je sais pas quoi, yesterday, firework. Et moi, je me dis, attends, qu'est-ce que c'est ça, firework? Puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je me dis, c'est peut-être un écureuil. J'ai fait, ah, ok, yes, it's possible. Et Thiago, il arrive, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Qu'est-ce que tu racontes? Il me dit. Je lui dis, bah, firework, c'est un écureuil. C'est quoi, firework? C'est pas un écureuil, c'est quoi? Un feu d'artifice. Ah. On a vu un feu d'artifice ce soir. Ah, c'est un feu d'artifice, c'est firework. En fait, Thiago, là, il me donne des leçons d'anglais. Voilà, on commence bien, on est beau. Aïe, 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 elle a un petit bobo, Bubu. On met le pansement. Le pansement? Non. On met le pansement? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, on met pas le pansement. Elle a rien. Ah, j'ai le bonbon.